Ok. Qu'est-ce que tu filmes? Ben, je fais mon troisième volet de la noosphère. De la quoi? La noosphère. Noosphère. C'est là où il y a l'esprit. D'accord, ok. Bienvenue au direct, au troisième volet. Nous sommes toujours le 26. Comment je vais expliquer ça? Dans les deux rêves là du matin, parce que là je vais en refaire un autre, je sors de ma sieste. J'étais balèze. Combustion par les yeux, j'ai les yeux, ils restent collés maintenant. En fait, moi quand je m'endors, dès que je ferme les yeux, ça devient une télé naturelle. C'est pas de la pollution électromagnétique. Il y a le monde de l'esprit et il y a le monde de la matière. Quand tu es dans le monde de l'esprit, tu n'as plus rien à foutre de la matière. Ça veut dire le bon Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle. On est tous dépositaires d'un fragment. À la fin du rêve, putain, tout le monde s'entend bien, ils sont plus cool. Il n'y a plus de racisme, il n'y a plus rien. C'est un nouveau monde, on change d'air. Tout le monde est heureux de travailler pour le devenir de l'ensemble. Et tous les soirs, c'est la teuf. Au lieu de regarder la télé de merde, et tous les soirs, il y a un concert gratuit dans toutes les villes, plus de bénévoles, où il y a à boire et à manger, c'est gratuit. Tout le monde s'en branle. Mélange toutes les couleurs, toutes les races, toutes les religions. On n'a rien à foutre en fait. On a tous le même trou au cul. Là, il y a le mec d'à côté, c'est un Tunisien. Il me parlait, il n'a pas été arrêté d'emmerder. Il n'a rien fait, il travaille là, il fait 5 ans qu'il est là, il ne peut pas avoir un papier. Il dit, moi je suis intégré, j'aime bien la France. Alors à la fin, 2% Saint-Luc, ben il redevient Saint-Luc. Comme il a visité 60 pays, c'est pour ça qu'il est Premier ministre. Comme ça, il peut te parler des pays. C'est une tronche quand même, mon ancien patron. Puis je l'aime bien. Et lui, sa fille, c'est Ève. Et elle a fait le psy Mathieu. Bon, d'accord. Après, t'as l'autre patron, c'est Pierre. Mon 2% Saint-Pierre. Pierre devient carrément Saint-Pierre. Et là, il devient comme président, tu vois. Il a géré les deux feux verts de Nice pendant 20 ans, il peut bien gérer la France. Ouais. Il faut juste les déconvertir au capitalisme. Maintenant, il faut passer en mode humanisme, tu vois. Sinon, ça va, c'est cool. Et pareil, lui, c'est la bonne femme de son fils qui s'appelle Ève. Pour moi, deux F qui habitent sur le même palier, qui ont acheté au même immeuble, un truc. Comme j'étais chef d'atelier virtuel à travers de terre, le deuxième, je commençais à travailler au premier, à travers les époques. À travers mon époque. Il y avait encore les vis platinées au début. Il y avait encore tout un truc, tous mes canaux. Moi, j'aimais mon métier. Ils m'ont tout pris, mon permis, mon machin. Ouais. Après, ils m'ont fait enculer, je travaille plus. Comme ça. Maintenant, ils vont me rendre tout ce qu'ils m'ont pris. Ces fils de pute de gouvernement corrompu. Je veux un gouverneur vrai. Je veux faire mon gouverneur vrai. Et j'y arriverai sans pognon. L'argent, c'est le mal sur Terre. On dit qu'il n'y a pas de sous, qu'il n'y a pas de sous. C'est normal, c'est tout dans leur poche. Les gens du pouvoir, la planète des singes. Tu vois le truc? Mais il y en a des sous. T'inquiète pas. Hein. Genre, quoi, le chômage et la sécu, ça coûte, je sais pas, rien. 50 milliards, peut-être, par an, et encore. Et la politique, c'est 410 ou 420. Arrêtez de me prendre pour un con. Tu vois le truc? Pour l'instant, t'es chef d'état d'âme et tu ramasses des mégots par terre. Mais à la fin du rêve, là, du vrai songe, putain, je deviens vraiment chef d'état d'âme. Je devenais Chris de Nice. Tous les soirs, je faisais un concert gratuit, comme ça. Et il y avait de la thune un petit peu pour tout le monde. On apprenait le partage.
un peu pour tout le monde. Tu vois? Là, c'est pas du tout le cas. Il va rester que des très très riches et que des très très pauvres. La classe du milieu, elle va disparaître tellement que c'est une enculerie là, sur Terre. Maçonnique sa mère. Ouais. Médite et rend mieux. Là, je suis en train d'envoyer les deux autres films, deux ou trois films. Du coup, je bois ma 8-6 du temps que le rosé il rafraîchit. Déjà. Quatre jours que je suis pas allé chez Tata. Il m'a gonflé avec son téléphone. Puis je suis pas son bougnoul non plus. Enfin, pas dire ça, c'est péjoratif. À peine j'arrive, j'ai même pas encore claqué la porte que ça y est. Ah, fais-moi ci, ah, fais-moi ça, ah, il faut ceci, ah, il faut cela, ah, va chercher du pinard, ah, nan, nan, nan. C'est relou. Putain, 4 jours sans télé et sans téléphone, qu'est-ce qu'on est bien. Faudrait interdire la télé. Ou alors juste l'éternel. Sans déconner. Morceau de pub, morceau de truc de merde. C'est subliminal, genre Led Zeppelin, Star Wars, Even, mon cul, ouais. Ils ont des éclairs dans les yeux et tout. Une pub de merde. Ça va, ouais. Laisse-moi avec mon vieux Led Zeppelin, ça ira très bien. Voilà. Envoyé spatial pour t'éternel. Pace salute inchalamen iraim. Mazel tov. Tout ne va pas vraiment bien dans l'espace-temps. Je suis gardien d'un esprit. Tiens, bon Dieu. C'est moléculaire. Sauf que maintenant, il faut changer d'air et d'air. Enfin, le mec, il meurt en mangeant une canette de bière. La mobilette se suicide en se faisant couler une bière. La molette finit en tôle, ce qu'il croyait en acier. Parce que ma culotte, c'est un jukebox maintenant. Ouais, ma chanson l'aura pas plu. N'en parlons plus. J'ai rencontré Capdeviel au bar de l'Apocalypse. Il va falloir faire autrement. Anosphère, c'est cool ça. Et moi, j'avais voulu rencontrer Werber au Salon du Livre à Saléa. Ah, ben il était jamais là au moment que j'y allais. Jovanovic aussi. Pour parler un peu des NDE, là. Je suis déjà mort 14 fois du 4-1. Nostradamus, c'était fumant en plus aussi, c'est pareil, il y a plein de quatrains partout. En fait, le 21-12-2012, ça devait être la fin du monde capitaliste. Vous ne comprenez rien. Mes deux anciens patrons, ben, ils sont super plutôt de droite capitaliste, quoi. Bon, c'est normal, ça marche ensemble. Tu vois? Et moi, je n'avais rien à foutre. J'étais chef d'atelier, j'avais le feu vert de terre, bon virtuel. Hein. C'était génial. Il y avait les quatre fantastiques, il y avait Belle et Sébastien, il y avait tout ce que tu veux. Plein de révélations dans l'atelier. Quand je faisais le ménage le week-end, tout, les trucs qui se mettaient à clignoter, les trucs. C'était génial. À l'équilibreuse, quand j'équilibre une roue, c'est quoi, je me pose une question, paf, j'avais la réponse. 15 sur 30, bon, c'est pour mettre les plombs. Mais ça me parlait. Tout me parlait. Ce que j'aimais pas, c'est qu'il fallait faire du chiffre. Moi, quand je voyais le capot d'une voiture, comme une fois, je suis allé dépanner une bonne femme qui était en panne de batterie,
suis allé pour travailler pour le carnaval des citrons, des trucs à Menton. Hein. Bref, une danseuse. Je veux dire, le capot de la bagnole, il y avait la corne d'abondance. Ça veut dire qu'il y en aura pour tout le monde. Pour chaque larme versée, il y aura un banquet. Ça, j'y crois. On va tous les refoutre dans la boîte à Pandore, là, ou en cabane. Un bon milliardaire, c'est quand il est mort. Ou alors il partage. Voilà, voilà. Voilà les nouvelles du front.